venu vous apporter mon soutien en tant que leader et dire je suis censé comprendre dans le plus de cœur les choses de Boaké. Parce que Boaké a fondé le plus lourd tribu dans la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui à la CPI, ce qui se passe à la haine actuellement, ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire et fait choquer les Ivoiriens. Fait choquer la majorité des Ivoiriens. Parce que quand même, il y a eu 3000 morts. Oui. Et donc, s'il y a eu 3000 morts, ça veut dire qu'il y a eu des coupables. Et donc, ces coupables, si Papa Laura, écoutez, après tout ce qu'ils ont fait, ne sont pas coupables, donc la CPI doit nous dire qui est coupable à tout moment. Face à la mise dans ce pays, j'ai jugé bon de venir ici pour vous dire que vous avez raison de vous plaindre, que vous êtes en droit de vous lever contre la maison dans ce pays pour dire à la CPI qu'ils doivent aider la Côte d'Ivoire à aller à la paix et ne doivent pas encourager, aider la Côte d'Ivoire à replonger encore dans notre culte. Parce que la meilleure façon d'aller à la paix, c'est de faire juste. Je sais pas ça. Il ne faut pas contraindre, il ne faut pas contraindre les victimes à se rendre justice eux-mêmes. Il faut que la justice fasse son travail afin que les victimes soient apaisées et que la paix et la tranquillité. Donc je suis venu vous dire ça et vous dire que votre message était déjà entendu parce que j'ai vu la presse, j'ai vu la RT, j'ai vu les autorités de police qui sont là dans la gendarmerie. Donc votre message est entendu. Donc nous ne devons pas bloquer la circulation. Vous devez permettre, dès lors que le message est passé, et que depuis la haine, les autorités d'Assemblée vont apprendre, à partir de ce moment, vous n'avez plus à bloquer la circulation parce que nos parents ont besoin de vacances et d'occupation. Nos parents ont besoin de travailler parce que Boaké est trop en retard et on ne doit pas encore continuer à bloquer la circulation. Donc moi, je voudrais vous remercier, vous féliciter et vous dire dès lors que vous pouvez retourner à la maison. Mais être fier